Ils avouent bien Eh déjà. oui. Voilà. Alors, tu étais là pour le Rainbow, à l'époque du Rainbow. Oh là oui. Et voilà. Oh, et voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ma douleur. Ma douleur se réveille. Non. Je ne pense rien, va. Pourquoi la douleur? C'est mal passé. Oh, c'est pas digéré encore. J'ai vu Diane qui est repassée là. Elle est repassée ces derniers temps là. Ah. Elle est repassée pour l'histoire de la fin du monde là. T'as entendu parler? Oui. Donc elle était revenue. Il y en a avec des journalistes là-haut. Là. Et, oui. Et la police. Et oui, c'est là que je me suis fait arrêter. Ah. Le 21 décembre. Et voilà. Et oui. Parce que ça avait causé des problèmes quand même. Je sais pas si tu te rappelles qu'il y avait eu des problèmes quand même. Eh ben oui. Alors, est-ce que tu te rappelles, tiens, parce que les gens, ils ont dit l'histoire des virus, l'histoire des virus de Benjamin. Oui. Et alors quoi? Mais je sais pas, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Oui, je me souviens, c'est après la première question là, et tout ça. Et tu sais ce qui s'était passé? Et tu sais ce qui s'était passé alors? Tu peux? Non, je sais plus. Non, pourquoi? Comment? Les couleurs là, les petites boîtes. Ouais. Ouais. Ben oui, c'était joli. Mais bon, il fallait pas trop y toucher. Ah, il fallait savoir ce que c'était quand même. Pourquoi on est enregistré là ou quoi? C'est une interview. Ah, c'est une interview. C'est pas un témoignage de l'époque. Oui. Et pourquoi faire? Pour les archives. Pour les archives. Ah bon? Pour l'histoire de la cour, de le château. Pourquoi t'as un tribunal de prévu? Non, tu sais bien que le tribunal, de toute façon, maintenant, il y a... Prescription, hein, ça fait plus de 12 ans, je veux dire, on peut... Ça ne donne rien. Et ouais, donc c'est virus, alors c'est Benjamin qui avait amené ça. Benjamin de maths. Parce qu'il a changé de nom. Je sais pas si tu te rappelles, comment tu as vécu l'histoire. Qu'est-ce que tu te rappelles de ça? De quoi? Mais de ces virus. Mais de ces virus. J'en sais rien. Moi, je les ai trouvés dans un bus. C'est beau, je ne veux pas répondre aux questions. Ah. Ça m'énerve, ça. Bon, ben. Non, mais c'est pour savoir. Parce que. Oui, moi, je le sais. Mais moi, j'ai ma version. Mais personne n'est d'accord avec ma version. Les gens, ils ont oublié. Et c'est pour savoir un peu. T'as besoin d'un témoignage. Oui, c'est un témoignage historique. Tu parles. C'est sur l'histoire de château. Tu vas montrer ton cadre de vie dans ton archive. Bien sûr. Ah bon? Disons. Et qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, ma foi, ça pourrait être mieux, c'est sûr. J'ai vu les difficultés. Parce que j'ai toujours les problèmes. Je ne sais pas si tu te rappelles des problèmes de fauche sceptique, tout ça. Oui. Fosseptique, donc tout ça, c'est toujours pas résolu, toutes ces histoires. Et alors, moi, je me rappelle, tu vas me dire si c'est pas vrai ou si je fais une histoire. Que c'est Benjamin qui avait ramené ces virus, ça, de Marseille. Pour le docteur Michel Agnéré. Il n'y avait qu'un docteur à l'époque, de toute façon. C'est pas moi qui allais tripoter les virus. C'était le mari de Diane. Et alors après, ça s'est mal passé entre eux. Tu te rappelles l'histoire du Rainbow, là, quand il y a eu la bagarre entre Benjamin. Il a arraché la moitié de la barbe, je m'en souviens. Ah, quand même. Parce que. Et ouais, alors Benjamin, il a amené ses trucs de Marseille pour le docteur, je crois. Et on a mis ça dans les bus. C'est eux qui ont mis ça dans les bus. Où il y avait les fringues. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y avait tous les fringues distribués. Les gens nous faisaient donc. Et moi, j'en avais ouvert. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'avais ouvert une boîte. Oui. Et alors? Eh bien alors, après, on a été malade tous. Zorro. Après, il y a eu l'infection dans la communauté. Tout le monde a été malade avec les staffs. Tout le monde a été malade avec les staffs et les streptos et le sida après. Le sida?
Mais... Le sida ? Comment ça, le sida ? Ben après, il y a eu pas mal de personnes qui sont décédées du sida 10 ans plus tard. Ah ben, je ne sais pas s'ils ont trouvé ici, ça. Hein. Oh, ben ça, on ne sait pas. Disons, bon, il y avait des virus, quoi. Oui. de Marseille, hein. Oui. Qui nous avait amené Benjamin, de Miami. Oui. Voilà. Et on n'a jamais su le fin fond, en fait. Pourquoi c'était fait. Non. Et ça t'a jamais inquiété, tu t'es jamais posé la question. Non. Comme ça, des années après, mais qu'est-ce que c'était ces virus ? On a été malade, tout le monde a été malade, est-ce que ça a une relation ou pas ? Tout le monde a été malade. Bah, tu te rappelles pas, c'était tous infectés. Pratiquement tout le monde avait les staphs. Pas tout le monde. Hein. Pratiquement. Ouais. Pas tout le monde, mais t'en as eu toi aussi ? Ouais, pas beaucoup, ouais, pas longtemps. Parce que t'as été soigné. Moi aussi, j'en ai. J'en ai pas rechopé, il y en aurait eu un tant et plus, hein. Ça ne serait jamais sorti. Quoi. Qui c'est qu'en a eu beaucoup, c'était Phil. Phil, ouais. Ouais, il a mis un moment avant de s'en dépasser. Mais il n'y avait pas que Phil quand même, il y avait. Moi je me rappelle. Les Anglais, tout ça là, qui étaient infectés, ils n'arrivaient pas à se guérir, et bon, ils sont partis après. Comment il s'appelait ? Ouais, toujours. Le copain de Perry, c'est lui qui avait le manège, là. Le gypsy. Le gypsy, ouais. Je sais plus comment il s'appelait. Ah, mais c'est vrai, comment il s'appelait, lui ? Je ne sais plus. Et puis, il y avait Bob et Verena. Oui, ils en avaient vu, mais... Mais non, ils étaient à l'écart. Ouais, ils n'en avaient pas. Et voilà. Eh bien, je suis... Pour moi, c'est pas ça, Rainbow Family. Je suis d'accord avec toi. Et voilà. Eh bien, merci, Maryse. Sous les applaudissements du public, lâche tout et applaudis.